L'université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Les livres. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, va. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. Aucun rat? Entendre parler. C'est étrange. Thank you.
Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire... Ah, c'est de la lecture païenne, tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines. Et ce savoir va toujours. Alors, et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre, le Sanguinis Itinera, il le cherche aussi. Oh, je dois faire vite. Ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Franchement, la prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Allez, je préfère pas en parler. Rien, il n'y a plus personne. Quoi ?
T'es loin de ta maison, toi aussi, hein. Porte-moi chance. On fait ça pour Hugo. Le monde. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier. Eh ben, peut-être enfin ouvrir cette porte. Je peux pas passer par ici. Il y a trop de gardes. Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Vous avez pas entendu un truc? Allons voir. Sois prudent. Y a rien. Calmez-vous. C'est noté. Attention. Rien. Une fois de plus. Bon, reprenez la garde. D'accord. Il pourrait qu'on ait un dans le coup, on dirait. Allez, regardez. Jetez un œil. Ça occuperait les rats.
T'imagines la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille? J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. C'était quoi ce bruit? J'y vais. Pas d'imprudence. Pas de quoi s'inquiéter, finalement. Bien. Reviens à ton poste. Hein? Là, c'est trop. Garde! Allons voir ça. Y a quelqu'un ici! Ramenez-vous! Retournez ciel et terre si besoin. Il nous les faut. Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. J'en reviens. Il y a eu un bruit par là-bas. Sois prudent. Si on voit quelque chose là-bas, je dois voir ça. Allons regarder. Encore une fausse alerte. Retournez à vos postes. C'est noté. Fouillez le coin. Allez voir ça. Ici, avec moi. Je vous avais dit que je vous aurais. Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une... Hein? Ne prends pas de risque. Ici, les intrus! Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur. J'ai cru entendre quelqu'un. Je reviens. Pas d'imprudence. Encore? J'en aurais. La première fois, c'était déjà trop. Allons-y. On a du monde ici. Fouillez les environs. Fouillez tout.
On a dû leur faire peur. Reprenez votre poste. J'ai vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. Pas mal du tout. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous! Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénévent. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. T'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le.
les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, tu sais pas fermer ta gueule, hein? Ah, c'est toi qui dis ça. Bon, alors toi, tu vas. Laisse. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisode peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. Fabriquer la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad Ignem. Ad Lucem. Oh, bien dit. Avance! Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards, mais crois-moi, ils vont vouloir attailler assez profond. Comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Alors, tu le connais? Tu te rappelles ton père? Parle pas de mon père, t'as compris? Oh, vraiment? Tu veux jouer à ça? Allez au travail! Vous avez ruiné le sol! Une armure lourde! Oh, il doit y avoir un moyen! Oh. Ça vous fait! Toujours! Oh, j'en rêve! Je sais pas qui t'es, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale, le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Je veux pas te presser, mais ils continuent d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Et allez! Et voilà! Remets-toi! L'alerte est donnée. Ils vont plus nous lâcher. Comme ça. Réfléchis pas, cours! Un seul cul-de-sac et on est fichu! Il faut qu'on se planque! Non, il faut qu'on les ralentisse! Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir.
C'est pas ça qui manque ici. La bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le sang... c'est trop haut. Regarde, là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Attends ici. Je bouge pas. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Ça m'a l'air bien mieux. On y va. J'arrive. Un coup de main ? Ça marche. Intéressant. Les étagères forment une coursive. Prends ton chemin jusqu'au livre. Facile. J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Roderick ? D'accord. J'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. Parfait. Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Roderick, c'est ça ? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte ? Des sortes de moines. Pas bavards. Mon père a fait les plans, c'est un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Ah ! Allez, avance ! Hé ! Te fais pas mal. Tu veux que... Non ! Mon frère, je lui dois ça pour tout le temps où j'ai pas été là pour lui. Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. C'est trop calme. Où sont les soldats ? Maintenant ! Ouais. Eh ben, si ça c'est pas de l'amour... Allez, il faut qu'on en finisse.
Vas-y. De suite. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre, j'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. La foire là derrière. T'es prête ? Oui, plus que jamais. Va chercher les autres, allez ! Où ils sont, bordel ? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu dégénérer ? Oh, merde. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr ? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Tu t'en charges, Rodrigue. Ça, c'est pour mon père. Quoi ? Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Ce bruit. Il est pour toi. Quoi ? Toi, t'es fini. Beau travail. J'ai peut-être allé un peu fort. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. J'aime pas rester à deux. Comme ça, on s'en prend un chacun. Ça te dit ? Faut bien que tu me fasses celui. Occupe-toi de lui. Tu me le diras pas de moi. Parfait. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent. La cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. Oh, merde. C'est nous qui avons... Propage, le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar.
Putain de rat! Il manquait plus que ça! Les rats, le bouclier, il est intouchable, Rodrigue. Attends, quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour ce qu'ils m'ont tous. Si je les chope, ils vont le payer. Enfin, ça va faire du bien. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. Ça venait de là-bas, je crois. Tu peux t'occuper de lui. Tu vas me le payer. Et à moi. Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. Thank you.
C'était quoi ce vacarme? Vraiment entrer là-dedans. Oui, si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupe pas d'eux. Ah, c'est le meilleur. Allez, j'ai besoin d'aide ici. Allez, allez. Elle. Verrouillé. Ça brûle derrière. T'approche pas.